Je m'appelle Pierre-Philippe, je suis enseignant en design et designer et je viens vous présenter le projet Un village conquis, un village composé exclusivement de chocolat qui est visible à la chapelle Saint-Nicolas à l'office du tourisme d'Argentan. Nous, notre village, il est inspiré du 16e et du 17e siècle. C'est l'époque durant laquelle la fève s'est diffusée en Europe. Et en fait, la dentelle, c'est la même époque. Tout ça, finalement, à la base, c'était vraiment destiné à une élite sociale. Mais je voulais pas que les élèves commencent directement sur la 3D. C'est pour ça qu'on a travaillé d'abord à la main. Voilà. D'abord, en fait, chaque élève a réalisé son architecture, donc il a fait les moules, etc. On l'a modélisé en 3D et après, on l'a imprimé en 3D. Donc voilà, on l'a imprimé à l'échelle, pour, voilà, ça donne un petit peu à peu près ça. On l'a moulé dans des moules en silicone qui sont juste là. Ça permet de pouvoir couler du chocolat dedans et de l'ouvrir comme ça. Voilà. Donc en fait, c'est assez simple. On a directement coulé du silicone par-dessus. Voilà. Et après, on l'a démoulé. Alors là, on a le moule en plâtre, là, on a le moule en silicone et là, on a injecté le chocolat. Il y a eu des problèmes de démoulage, etc. Et c'était très, très proche du vernissage. Donc, il y a une très grosse tension. Et donc, du coup, je leur ai dit, on n'a pas le choix que d'être optimiste. Et en fait, quand on est dans cette énergie vraiment de positivité, on trouve naturellement des solutions. Et je ne sais pas pourquoi, mais il y a un côté un peu magique. Quand on est vraiment positif et qu'on y croit et qu'on reste dans cette même direction, les choses s'améliorent et on trouve des solutions et ça avance, quoi.